Wow! Avez-vous remarqué quelque chose, mes frères et sœurs? Bien évidemment! J'ai un casque! Wouh! C'est extraordinaire! Est-ce que vous pensez que le casque qui est là, c'est juste pour rigoler avec vous? Est-ce que vous pensez que j'ai porté le casque juste pour faire le buzz? Ah! Mes frères et sœurs! C'est extraordinaire! Bonjour et bienvenue sur ce monde. Si vous allez bien, c'est très bien, c'est très bien. Dieu merci. Si votre ami se porte à merveille aussi, c'est extraordinaire. Mais ce que nous allons voir et entendre ici, vraiment, c'est hors du commun. Nous devons quand même faire très attention à la musique qu'on écoute et à ce qu'on regarde à la télévision et à comment on danse aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, la majeure partie du temps, les clips qui sortent et les danses qui sortent ont une connotation sexuelle. C'est-à-dire dans les clips, on parle la plupart du temps de beaucoup de choses, mais on présente beaucoup le côté sexe. On chante pour femmes. Quelqu'un va chanter par exemple, va dire, faut chercher pour toi. Tu as vu mon poteau? Faut chercher pour toi. Et dans les clips, on voit des filles qui sont en train de remuer leurs fesses. Tu as vu mon poteau? Faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi, qu'est-ce bon. Et tu vois, vous pouvez encore voir d'autres chansons que vous connaissez déjà, du genre coller, 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 coller les voisins, coller, 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 coller les voisins. Bon. Tu n'as pas me dit que tu n'as jamais entendu ça. Tu n'as pas me dit que tu n'as jamais entendu tout pareil. Mais bien sûr que oui. Et ce sont des choses qui marchent. Et tout le monde aime ça. Parce que ça a tendance à nous faire bouger un peu ou encore bouger nos nerfs. Parce que dedans, ça parle un peu du côté sexe, vous voyez. Oh, les filles, elles aiment beaucoup ça. Elles aiment même beaucoup ça. Et la manière même de danser. Regardez par exemple une danse qu'on appelle, comment ça s'appelle? Mets ton cul vers le serpent. Ah! Ça ressemble à une fille qui tentait de faire du twerk ou du mapoka en se positionnant vers une personne. Le problème, c'est que quand vous tombez sur ces clips, il n'est pas écrit quelque part moins de 18 ans, ben moins de 21 ans. Et ce genre de choses-là sont à la portée de tous. C'est-à-dire que tu sois enfant, petit, grand, on s'en fout. Que tout le monde regarde et puis fasse entrer au pognon. Là, c'est très juste à l'argent. Et pour l'argent, les gens sont même prêts à faire ce qui marche. Même si c'est pervers, même si c'est bizarre. Mais cela a des conséquences sur nos enfants. Ça a des conséquences sur nos jeunes frères. C'est vrai. Aujourd'hui, là, tu vas voir une fille de 18 ans. Elle connaît toutes les positions de Kama Sutra, même plus que même ses parents. Elle peut même aller jusqu'à même à sortir avec l'ami, le meilleur ami de son papa. Je ne sais pas comment raconter, j'ai vu un truc pareil. J'ai vu de mes propres yeux. Et pour ces jeunes filles, elles disent la plupart du temps, l'amour n'a pas d'âge. Et ce que tu as de faire là, c'est un péché. Hein. Tu n'es pas marié, tu vas coucher avec le n'importe qui. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler de danse. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et allons au studio. Vous allez voir. Parce que souvent quand on parle aux gens comme ça, les gens pensent que c'est de la blague. Et que nous sommes en train de même rigoler avec vous. Mes frères et sœurs, c'est même chaud. Parce que ce que nous allons voir maintenant, ce n'est pas du jeu. C'est extraordinaire. Regardez même ça. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous n'êtes pas au courant, ça... C'est une nouvelle danse qui était venue, qu'on appelait tous ici Aoko. Et les gens ont trouvé que cette danse-là nous rappelait la masturbation. Et la manière dont les gens dansent, c'est grave. Et il y a un petit qui n'a rien compris dans l'affaire. Lui, dès qu'il a vu cette danse, il s'est mis à danser au point où il a commencé même à se déshabiller. Il dansait jusqu'à ce qu'il a commencé à se déshabiller. Là, il a reçu vraiment l'esprit de la rocker. Maintenant, plus loin,
au menu ici. Voici même la chose même qui nous amène à faire cette vidéo. C'est ça. Vous voyez, des jeunes gens qui sont en train de danser comme les grandes personnes. Comme on vous l'a dit, de tels clips que vous les regardez, on ne dit pas moins de 18 ans, moins de je ne sais pas quoi. Mais vous voyez ça, des jeunes gens. Regardez comment la fille même, elle est même cabrée. C'est comme si le gars, il est sur une moto, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il va pas à vous? À leur âge, regardez ce que sont en train de danser. Vous voyez le danger que vous partagez au maximum cette vidéo pour que ça tombe dans l'oreille des stars, des personnes connues qui fabriquent même des concepts. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens ou qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Le problème, c'est que ce sont nos enfants qui sont visés par ce genre de trucs. Si la danse a une connotation sexuelle, les enfants vont se mettre à danser de la sorte et ce sera maintenant facile et normal pour eux d'avoir le sexe à un âge très bas, c'est-à-dire à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. L'enfant n'a même pas 18 ou 21 ans déjà et c'est le sexe. C'est comme ça que ça commence. Ça veut dire que les parents doivent être très vigilants sur la musique que les enfants écoutent et ce qu'ils voient même à la télévision. Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser que nous sommes en train de rigoler avec vous. Mais ce que nous allons vous montrer, ça c'est juste que l'historique. Cette danse qui s'appelle la Roco, c'est une danse de la sorte. Vous voyez, quand vous regardez ça, c'est danse comme ça. Et apparemment, quand vous voyez ça, vous allez tout penser directement à la masturbation. Ça c'est clair. Ça c'est vraiment clair. Je t'ai dit. Regardez moi ça. Ça c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et les gens sont en train d'applaudir. Et c'est exactement ça. Comme vous avez vu, vous avez vu comment ça se danse, non? D'accord. Maintenant nous allons vous montrer comment un autre petit a décidé d'interpréter cela. Regardez comment lui il danse la chose. Nous allons vous montrer dans peu de temps, vous allez voir. Oh, laissez-nous montrer aux abonnés les choses, que ce n'est pas avec vous. Là, on va vous montrer les vraies choses, c'est là, mais avec quelques interruptions, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller, vous êtes seigneur. Bon, ok, il n'y a pas de souci, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, regardez même ça. Si vous savez que vous avez peur de changer de choses, comme le temps qui se déshabille, regardez la vidéo suivante, parce que ce qu'il va faire, c'est grave. Regardez le petit. Le petit est juste ici. Il est juste là comme ça, en train de danser. Il y a un public, ils sont là, juste en train de danser, en train de regarder. Il danse jusqu'à un moment donné, il commence à se déshabiller. Il commence à se déshabiller. Regardez, regardez, regardez comment il s'habille. Il a déjà son caleçon là-bas. Tu vois les gens qui sont là, les parents des gens, tu enlèves ta culotte comme ça pour monter tes fesses. Tu veux les maudire ou bien tu veux les bénir? Bon, regardez même ça. Et regardez en même temps le jeune homme qui est ici. Le jeune homme qui est ici, il a même du mal à y croire. Regardez-le très bien. Pendant le temps, le petit là-bas, il est en train de se déshabiller juste pour montrer à ses amis, ou encore à tout le monde, ce qui s'est fait. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. On ne va pas vous montrer. Hein. Regardez, mais regardez, regardez. Carrément, le gars, il s'est déshabillé en train de se voir les gens là-bas. Devant les parents des gens, devant les mamans des gens. Ah non, les choses sont possédées ou quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, c'est pas de la blague. Il y a cette danse-là, quand vous les dansez, vous êtes dans les problèmes. Il y a cette danse qui vient directement du monde des ténèbres. Et parfois, en dansant cette danse-là, vous risquez même de vous casser le cou, vous fracturer le bras, quelque chose de ce genre. Il y a les choses qu'on appelle vos casse-casse. Les gens dansent, dansent. Ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Ils tombent sur leur cou. Boum. Ils meurent sur le champ. Peut-être qu'on va vous montrer ça. Ça vient. Mais pour l'instant, regardez même ça. Regardez même ça. Ils dansent, ils essaient de l'habiller. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Et face à ce qui vient de se passer là, les gens ont décidé de juste faire tout ce qui est leur possible pour que les enfants ne puissent plus danser la danse. Pour cela, ils ont envoyé ces stars-là même.
c'est-à-dire donc convoquer devant un bon truc qu'ils ont organisé pour que ce stade-là puisse juste comprendre que cette danse-là a des effets négatifs sur les gens. Il faut donc y remédier. Et c'est en ce moment-là que ce stade a décidé de laisser la chose. Cette vidéo ne va pas être ici, mais elle voit là où ce stade a pris la décision de supprimer la danse, tout et tout, tout et tout. C'est là que vous allez le voir. C'est pas de la blague, c'est bien réel. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que là, vu les effets de cette danse sur les gens, ce stade-là a été obligé d'accepter de supprimer la chanson et la danse. Et ça, c'est vraiment grave. C'est ça, elle a dit quelque chose. Elle a dit que je ne suis pas la seule personne à pouvoir faire des trucs pareils. Avant moi, il y a des gens qui ont fait des trucs pareils. Pourquoi vous ne vous êtes pas acharné sur ces gens-là? Et c'est sur moi que vous venez pour faire des choses pareilles. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si vous me boycottez. Oui, c'est comme si vous tentez de me boycotter. Moi, je ne comprends pas. Effectivement, c'est ça la raison quand tu n'es pas ici. Parce qu'il y a plein de danses qui sont passées inaperçues. Même les danses qu'on vous a citées avant. Il y a eu aussi ce qu'on appelle le mapuka. Et vous avez parlé du twerk. Toutes ces danses-là, ce sont des danses même plus graves que le haoko. Bon, peut-être que le mapuka, tout ça, c'est une version un peu. Les gens vont dire que c'est un peu acceptable. Ah, parce qu'on ne te montre pas ça vis-à-vis. Et à beaucoup là, ça donne l'air. Bon, parce que, bon, moi je pense même que si les gens même combattu cette danse, c'est parce que à Woko ou encore la masturbation, selon que les gens pensent comme ça, la masturbation c'est une chose qu'on ne paye pas pour l'avoir. Vous savez, avant d'avoir une femme là, tu vas aller breaker, tu vas aller aborder la fille, tu vas l'amener au restaurant. Il y a trop de chemin. Or, la masturbation n'a pas de chemin. Ta femme est déjà dans ta maison. Même si tu n'as pas encore présenté à tes parents. Non, tu as déjà même présenté à tes parents. Tu salues même tes parents avec même ta femme là. C'est quoi ta femme là maintenant? C'est ta main. Ta femme là, c'est ta main. C'est tellement facile. C'est une chose accessible. Et les gens ont ça toujours en permanence chez eux. Quand un jour de la part de faire les trucs. Et qu'ils voient une danse pareille. En même temps, il se souvient de ça, il se rappelle de ça, parce que c'est ce que les gens font. Les gens ont fait des statistiques pour dire que environ 9 personnes sur 10 se masturbent. Et c'est pas de la blague. Il y a un tas de choses. Les danses à connotation sexuelle et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez, si les gens sont arrivés jusqu'à supprimer cette danse-là, c'est extraordinaire. Mais n'oubliez pas qu'il y a le mapuka qui est là. Et il y a le twerk également qui est là. N'oubliez pas ça. Parce que ça encore, ça a quoi des effets sur les enfants. Maintenant, vous pensez qu'ils sont rigolos avec vous. Vous allez même voir ce que nous allons montrer ici. Mon frère, soeur, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et regardez bien vos enfants. Appelez-les, posez-leur la question. Dites-moi, quelle est ta danse préférée? Quelle est ta chanson préférée? Et cherchez à voir si l'artiste ou la star là est vraiment un rend gloire à Dieu. Sinon, s'il y a un rend gloire au diable, ça sera chaud. Hein? Parce que le résultat est là. Quand ouais, on voit un petit qui est ici. Et le petit ici, il se prépare à exécuter une danse. Et il ne sera pas seul. Voici une autre fille qui est arrivée et qui a maintenant dansé avec lui. Parce qu'apparemment, cette chanson ne se danse pas seule. Ou on ne danse pas cette danse seule. Et regardez comment ça se danse. Il faut absolument que la fille arrive à se pencher d'abord. Revenons en arrière. Voilà. Vous allez comprendre. Quand nous parlons de ces choses, c'est parce que nous sommes en train de rigoler avec eux. Vous voyez ça? Elle ferme, elle se penche très bien. Hein. Vous voyez ça? Comme l'acte sexuel. Ah! Les parents, vous avez du boulot. Hein. Oui. Revenons encore en arrière, vous allez voir. Regardez. Voilà, ça c'est la danse. Regardez. Vous pensez que Dieu, qui est saint, accepterait-il que ses enfants se mettent à danser de la sorte dans son paradis si joli? Ça m'étonnerait. Regardez même ça.
vous voulez aller au ciel, vous dites que vous aimez Dieu, que Dieu est avec vous, et c'est Dieu qui va vous défendre de tous vos ennemis. C'est extraordinaire. Mais si vous avez tout ça avec vous, les danses obscènes, les chansons bizarres, ne vous attendez pas à ce que la main de Dieu se lève pour vous. Hein. Vous êtes en train de donner accès au diable de votre vie, juste en vous mettant à danser de la sorte, à vous amuser ainsi. Vous allez penser que c'est de la blague, mais regardez. Même les enfants le font même mieux que les parents. Regardez même ça encore. Vous avez pensé que c'était de la blague. Maintenant vous voyez ça de vos propres yeux. Si une autre bonne ici, ça ne rigole pas. Moi j'aime bien la musique. Mais c'est ce que je dois écouter. Et ce que je ne dois pas écouter. Parce que l'ennemi travaille beaucoup pour vous offrir des chansons et des danses, tout ça. Waouh! Ça s'appelle de la roco. Bon, ça a été ce bonnet. Voilà. Donc, je sois habillé de façon sexy et laissé exposer. Et vous aussi, vous êtes là. Oh, c'est extraordinaire, c'est chic. Ah, oh, la jeunesse, c'est ça. Ah, ma star préférée, elle a fait le show de Twitter. Aïe, t'as vu la nouvelle danse? Oh, c'est la danse de la rentrée. Ou bien c'est la danse des vacances. On va bien chauffer les couilles avec ça. Et vous les voir maintenant de les maquer. Coller les voisins. Coller les voisins. Et les gens veulent être bénis. Et les gens veulent aller au paradis. Regardez même, la nouvelle année va arriver. Où sont mes camarades? Demain, 10 demain, nous serons en octobre. Octobre. Après octobre, il y a quel mois encore? Octobre, novembre, après novembre, encore, décembre. On va dire 25, 31 décembre. Vous allez voir les gens. On commence à même courir pour aller à l'église à cause des sorciers. Les gens m'ont dit que la fin de l'année, les sorciers tuent les gens, ils mangent les gens. Faut pas, ils vont les manger, ils vont les courir pour aller à l'église là-bas. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il y a vraiment des trucs graves. Et même quand les gens vont arriver à l'église, comme le pasteur va commencer à prêcher. Que Dieu vous bénisse. Ils vont être là. Amen, amen, merci pasteur, tu es joli. Ah, t'es mignon. Maintenant, le pasteur a venu de prêcher. Il a bien fini de les bénir. Il faut les voir maintenant. Bon, maintenant courir. Il faut maintenant retourner à la maison. Le mari va dire à la femme. Chérie, est-ce que tu sais que tu es jolie? Et ça veut dire, chérie, c'est joli, merci beaucoup, tu m'apprécies. Bon, mets le son, ma jolie. Et le son, ça sera. Et les gens vont commencer à danser d'une manière bizarre, comme si c'était même la boîte. C'est-à-dire, là, maintenant, là, les deux personnes qui ont quitté l'église, qui sont maintenant venues à la maison. Ces deux personnes vont transformer leur maison là, ou même les chambres là, en boîte de nuit en même temps, ou même le salon en boîte de nuit. Faut les boîtes de chantier. Même les voisins, même, ils sont là-bas, ils disent, ah, comment c'est chaud, monsieur les voisins. Comment ils voient ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'écouter ta musique, mais ne veut-il pas de l'église? Et les voisins aussi, eux, ils sont en train d'écouter. Ils disent, mais c'est quelle chanson juste là? Comme la chanson là, ça traverse les murs, comme la musique traverse les murs avec le salis, ça fait très fort, avec le vent qui passe, et aussi voient peut-être le son là-bas. Ouais, il y a même te souhaiter même meilleurs vœux, beaucoup d'argent, que Dieu te bénisse, ça dit Amen. Mais ta Amen, ça a disparu dès que tu t'es mis.
à écouter et à danser une danse ou à écouter une chanson qui vient même de la musique profane, toi automatiquement même, tu as même laissé la bénédiction la même partie. La bénédiction la même t'a dit, mon ami, la bénédiction a vite tapé ton épaule, mon ami. Au revoir. Hein. Moi, je suis fatigué, je m'en vais. Vous me fatiguez trop avec vos chansons bizarres. Et vos danses bizarroïdes. Je ne comprends pas. Ah. Vous êtes des chrétiens ou bien vous êtes des crétins? Vous êtes des croyants ou bien vous êtes des... De quoi? Bon, trouvez-vous-même. Mais, ah! Est-ce que c'est de la blague? Même vous avez plus de repos ici. Mais on va même commencer à réfléchir, on va commencer à dire, ah, Yann, ce que tu dis, c'est vrai. Mais comment on va faire? C'est la jeunesse où on est jeune. On va faire comment? Tu vas faire comment? Ah, d'accord, vous faites comment? Jésus est ton Dieu. Tu vas faire comment, mais Jésus est ton Dieu. Tu vas faire comment, mais Jésus est ton Dieu. Tu vas faire comment, mais Jésus est ton Dieu. Ah, d'accord. Tu vas faire comment, mais tu vois la musique profane. Tu vois les gens qui dansent. Il y a un gars même qui chantait. Il dit, debout na keïna te tande. Voilà. Debout na keïna te tande. Et les gens commencent à chanter. Debout na keïna te tande. Ça parle de quoi? Ça parle de sexe. Et voilà, voir les gens te danser. Et chanter. Debout na keïna te tande. Vous connaissez, ceux qui comprennent peuvent tenir la tradition, mais n'avez pas la tradition. Si tu ne comprends pas, il faut même dire Dieu merci. Peut-être même qu'il est en train de t'insulter, déjà tu ne sais pas. Mais il y a des chansons qui sont même comme des insultes, comme des injures. Et le plus grave de la musique, parfois, là, les gens, pour avoir du succès, font tout. Ils vous mettent des incantations. Toi, si tu viens, tu chantes ta chanson, tu prononces une parole. Le gars, même quand il chante, il te dit, la parole là. Et puis tu dis, vas-y, dis-le. J'ai même entendu une chanson pareille. Et la personne est là, vas-y, dis-le. Hein? De dire quoi? De répéter quoi? Il veut juste que tu répètes la chanson. C'est pas, peut pas faire hasard. Pour que l'envoûtement ait des effets là, il faut que toi tu reprennes juste l'incantation qui est même cachée dans la chanson là. De la musique là, c'est comme c'est même là même pour te maudire quoi, mais toi tu ne sais pas. Même souvent sur la pochette de CD là, il y a tout. Si cette personne qui chante là est appartient au monde des ténèbres, elle va te montrer beaucoup de signes qui vont déjà vous révéler quel est son état d'âme, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et qu'est-ce qu'elle va même faire avec vous. Son état d'âme. Est-ce que ces personnes sont une sorcière ou pas? Les gens sont en train de parler. Ah, mes ennemis, les sorciers. La musique que tu écoutes là, ça peut être même ton premier sorcier. Mais ta première sorcière. Oui. Parce que si là-dedans, il y a une invocation, il y a une incantation, une parole incantatoire, même dans le refrain, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des expressions qui sont des incantations qui deviennent des expressions utilisées par tous les jeunes. Et les gens même sont déchantés pour un démon parfois. Une star peut décider de changer son nom et de prendre un autre nom. Maintenant, vous vous posez la question, mais pourquoi elle a changé son nom? La plupart des temps, mais vous ne vous posez même pas la question, pourquoi la star a changé son nom? Elle s'appelait A, demain elle s'appelle B. Vous écoutez seulement. La personne peut vous dire, par exemple, je m'appelle Yora. Mais vous êtes là, vous chantez, Yora, tu es jolie. Un an plus tard, c'est ça, commence à avoir du succès. Elle va dire, écoutez, je suis fatigué de Yora. Désormais, appelez-moi Dasha. Il faut voir les gens aussi. Dasha. Oh, c'est ça là. Elle ne fait pas ça pour rien. Elle a une inspiration, elle a une idée. D'où vient l'idée là? Maintenant, vous ne savez pas. Vous dansez seulement. Vous vous dites, oh, on nous a dit
que la chanson ne veut rien dire, mais il faut juste écouter pour danser. Donc on danse. De toute façon, Fais la nouvelle danse, comment c'est danse? Bon, fais ta démo. Ah, la parole de Dieu nous dit quelque chose de vraiment très clair. La parole de Dieu nous dit, ne vous affectionnez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire que toi, tu vas voir les œuvres des démons. C'est-à-dire quelque chose que le diable a fait. Quand le diable veut te présenter ça comme ça, toi, tu te dis, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne affaire. Dieu n'appréciera pas ça si je me mets à faire danser comme ça ou me faire comme ça. Parce que c'est le diable qui l'a fait, c'est le diable qui l'a conçu. C'est lui l'auteur. Vous voyez, non? Voilà. Quand tu fais comme ça, on dit que là, tu t'es de même soutenir Dieu. Mais quand, toi-même là, tu ne sais même pas même ce que ça signifie. Ton ennemi est en train de t'attaquer. Et toi, tu penses qu'il est même en train de jouer à toi. La plupart même des chrétiens, même, ils sont là. Les ennemis les attaquent. Ils n'ont même pas conscience, même. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'être attaqués par l'ennemi. Et les âmes, même que les ennemis utilisent, c'est ainsi, mais contre les gens là. Ce sont même des âmes que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Oui, c'est réel. Hein? Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Dis à ta voisine, ouvre les yeux un peu, tu as trop dormi. Faut pas la gifler, mais si tu. Faut la toucher comme ça. Faut toucher tout son front. Ou bien, tout sa joue. Dis, ma soeur, tu vas où? Ma soeur, tu as dit que tu es réveillée. Tu as dit que tout va bien chez toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as trop dormi. Lève-toi aujourd'hui et marche. Abonne-toi, partage cette vidéo et voir ta prochaine vidéo. Une vidéo va s'afficher ici, tu peux la regarder. Et en cliquant sur ce bouton, tu peux avoir accès à notre page d'accueil. Tu peux voir notre troisième chaîne. Tu vas voir des choses qui vont te tenir. Sois même prêt pour la prochaine vidéo. Ça va même être chaud. C'est parti. Ouh! Merci. Plus joli quand même. Hein.